Cinquième matin à la Métive, aujourd'hui projection du journal filmé dans le cadre du festival. Le village est encore désert. Avec Abhishek, nous assurons la tendance. Commencez par récupérer l'écran à l'abbatiale. Installation dans le café-restaurant. La mise en place pour le déjeuner est déjà faite. On nous demande de dire aux spectateurs de ne toucher à rien. Finalement, je vais devoir me résoudre à réduire le programme prévu pour ne pas retarder l'heure du début du service. Pas savoir exactement quoi dire. Éviter de se poser trop de questions sur le pourquoi, le comment. S'exprimeront à la première personne et raconteront ce qui leur est arrivé. Cela pourra être l'histoire de leur premier amour ou plus récent, leur prise de conscience devant la politique, un récit de voyage, une maladie, leur service militaire, leur mariage, leurs dernières vacances, quoi. Et cela plaira presque forcément, parce que cela sera vrai et neuf. Le film de demain ne sera pas réalisé par des fonctionnaires de la caméra, mais par des artistes pour qui le tournage d'un film constitue une aventure formidable et exaltante. Le film de demain ressemblera à celui qu'il a tourné, et le nombre de spectateurs sera proportionnel au nombre d'amis que possède le cinéaste. Le film de demain, ce sera un acte d'amour. François Truffaut, paru dans la revue Art, le 15 mai 1957. Merci. J'y suis. Je t'en parlerai. Je ne suis pas un matelot, pas amiral, pas capitaine, pas pirate, pas corsaire, pas poisson, pas noyé, pas marin dans les jambes. Je n'ai d'ailleurs qu'un pied sur deux dans l'eau. Je t'écris pourtant de là-bas, de la mer, du bateau, de l'illusion des fonds marins. Depuis les pontons en apnée fugitive, je me suis ressuscitée en l'être aquatique, toujours aussi saignée que le cœur géant du crabe. Sur ma gueule, mon panaché d'orage a vite repris son chemin d'estuaire. Qui suis-je pour être oubliée de toi? Nous comprenons la mer à l'aune de nos blessures, et la mesure de nos blessures est toujours d'être secrète. Neuve ou passée, l'entaille reste première, puissamment lumineuse, coriace en regard de l'oubli. Plus qu'indicible, elle est pionnière dans sa fragilité. Elle est péril, elle fait périr. Elle est honneur, elle fait la force. L'horizon, c'est guérir, et le miracle est ordinaire.
Je sors de ma torpeur, la mer m'appelle, pourtant je suis une fille de la montagne. Une chose est une même chose quand on regarde son envers. L'immensité seule sait me tenir debout. De mon embarcation, toutes les pierres sont graves. On entend la nacre verte communier dans la nef des églises. Les pèlerins s'enfument, l'encens eucharistique monte à tribord sur l'hippocampe et le corail. La mer continuellement dégueule son chapelet de noces et rendra aux mariés la vision de l'éther. Allumons notre cierge à marée descendante et faisons à la torche le quart d'une prière. Timonier des actions barre les doléances. Le chemin le plus beau aux portulances s'embrase. La cigarette prend feu pour faire le tour de ton visage. L'incendie se déclare sur le bateau rompu. À la quille fracassée reflue le souvenir. Pavillon des étoiles, ma stupeur est parfaite. Je ne cesse de courir par le jour sidéral. Je fais danser la terre.